Jesus, hallelujah. Bénis-nous, Seigneur, on loue. Hallelujah. Psaume 67, au chef des chants, ou avec instrument à cordes. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Quand tu juges les peuples avec voiture et tu conduis les nations sur la terre, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit de, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Parole du Seigneur. Seigneur, nous voici en ta présence une fois de plus ce soir, non? Nous t'apportons nos louanges et nos remerciements. Merci Seigneur de tes refaits dans notre vie. Et tu nous as bénis Seigneur de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu nous as gardés Seigneur durant le cours de cette journée afin que nous puissions Seigneur te rendre hommage.
Car Seigneur, avant même que nous te venions dans la place où tu es en Chita, dans le studio attend qui l'heure que nous va porter louange et adoration là. Nous bénissons à souhait à Seigneur. Nous remercions pour la vie. Nous remercions Seigneur pour le souffle de vie. Nous remercions Seigneur pour l'être, le mouvement, la respiration. Alléluia. Combien grand ou merveilleux. Nous remercions Seigneur parce que c'est créateur. Nous. Vous couvrez-nous sous l'ombre de tes ailes. Vous préservez le Seigneur de tout malheur. Nous adorer, nous exalter, gloire à Jésus. Nous déclarer nom béni éternellement, majesté élevée, alléluia. Au-dessus de tous les cieux, alléluia. Papa, dans le moment ça, mais nous couper devant toi, nous, pour nous demander pardon pour péché nous, yo. Pardon, Seigneur, pour toute transgression, nous, yo, la vie, nous nettoyer, nous. Mais nous invitons présents sur notre studio à Seigneur. Rentrez, prends contrôle dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous demandons, Seigneur, non seulement qu'on va là dans le studio, nous va toucher chaque spectateur et tous nos amis. Et qui branchent, Seigneur, pour qu'on puisse programmer ça. Permettre que, Seigneur, dans la conversation que nous allons engager avec vous, à travers l'émission, ça, maintenant, on va gagner une lumière qui va faire. Et tout ça qui est oppressé va recevoir la libération dans leur âme, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous remercions pour bien-aimés, nous remercions pour famille, nous remercions pour maison. Alléluia. Donc on est en prend soin au Seigneur. On prend soin de tant que mon papa qui prend soin de petit. Alléluia. On couvre par devant et par derrière. Nous remercions pour la vie serviteur Jean-Aurel Prince du jour que vous voulez retourner. Nous remercions Seigneur pour grâce. Nous demandons à bénir mission pour nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous va éteindre grâce ou faveur. Alléluia. Avec abondance dans le nom de Jésus. Nous ne venons pas non pas nous, mais nous venons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Celui qui est notre roi. Celui qui est notre libérateur. Celui-là qui nous couvre sous l'ombre de ses ailes. Alléluia. Quotidiennement. Alléluia. Nous adorons dans le moment ça, papa. Mais nous portons toutes circonstances à travers et les comptes des États-Unis, dans tous les États de l'Amérique. Nous demandons grâce. Nous demandons faveur. On va éteindre la paix au Seigneur sur cette nation. Quand on te dit, voici, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alléluia. Parce que nous demandons la paix, Seigneur. Nous demandons la paix dans Philadelphie. Nous demandons la paix à Washington, D.C. Nous demandons la paix, Seigneur, dans l'État de Minnesota. Dans la ville de Minneapolis. Nous demandons la paix, Seigneur, à travers Louisiana. À travers Denver, Colorado. À travers, Seigneur, au Los Angeles, Californie. Nous demandons la paix à travers tout l'État, dans l'État de Nevada. Oh, nous demandons grâce, Seigneur. Vous va bien la paix. Alléluia. Vous dites, voici, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alléluia. Papa, suis-moi, nous invitons, nous avons besoin. Nous avons besoin d'un homme, non. Nous avons besoin d'un environnement, non. Alléluia. Nous avons besoin, on a l'église, nous, au Seigneur. Nous avons besoin, on a la vie toute bien-aimée, au gloire à Jésus. C'est vous-même, nous, qui avons fait un Seigneur. Oh, papa, pas virer deux banons. Oh, mais fais luire ta face sur tes serviteurs et tes servantes. Alléluia. Abondez grâce au Seigneur, nous va louer, va exalter. Bénis l'émission pour nous, bénis conversation, nous. Et tout ça que nous va mentionner dans l'émission, ça, hein? On va mettre approbation sous le nom de Jésus. Et non, on va glorifier. Bénis audience là pour nous, Seigneur, et bénis serviteur encore. Dans le nom de Jésus. Nous prions à vous-même qui méritez toute gloire et honneur au siècle des siècles. Alléluia. Thank you, Jesus. Bless your name, Lord.
Oh, hallelujah. Glory, thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. We're going to read Psalm 27. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evil men advance against me to devour my flesh. When my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then will I be confident. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in his temple. For in the days of trouble he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his tabernacle and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his tabernacle will I sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Hear my voice when I call, O Lord. Be merciful to me and answer me. My heart says of you, seek ye his face. Your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me, O God, my Savior. Hallelujah. Thank you, Jesus. Do my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Teach me your way, O Lord, lead me in the straight path. Because of my oppressors, do not turn me over to the desire of my foes. For false witnesses rise against me, breathing out violence. I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dans le psaume 27, la parole de Dieu déclare: L'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. Oh, de qui aurais-je crainte? L'Éternel, le Saint-Esprit de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur et me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Je ferai des sacrifices de justice au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Et pitié de moi, exauce-moi, mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me repère. Éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis.
Ne m'humiliez-vous pas au bon plaisir de mes adversaires quand ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens que ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espérez l'Éternel, fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Espère l'Éternel. Alléluia. Oh Father, we glorify your name tonight. We exalt your name. We thank you for the privilege that we have to come in front of the throne of grace. We glorify your name, we exalt your name. We thank you, Father, for such a wonderful day that you have provided unto us. We thank you, Lord, for the gift of life and for the gift of eternal life in Jesus Christ, your Son. Father, I pray tonight that you will come and visit the life of everyone that is going through some trouble tonight. In the streets of the United States of America, there is a lot of people that are protesting. They need something. Father God, I know that they need you more than ever, because you are the answer for the problems and you have the answer. I pray, Father God, that you will bring peace, open the eyes of the heart, give him the spirit of intelligence so they can understand what is going on around right now. Holy Spirit, we need you right now to visit myself and visit anyone that is following this program. I pray that we touch their heart, cover them on their mighty wings, give them peace, give them joy. Allow them, Father God, to experience your love, because you are a God of love and mercy. I thank you, Father. I need you right now. I pray that you will touch the United States of America. You will touch every leader. Hallelujah. Give him the spirit of freedom, wisdom. Give him the spirit of discernment so they can understand what is going on. And I pray for the God that you will bless the life of all the ministers of the gospel of Jesus Christ. Give him power and utterances to be able to preach and encourage those that are going to the valley of the shadow of death. Give him the boldness so they can continue to preach the gospel. Father God, I am available to you right now. Touch me. Give me a garment of praise. Give me the authority that you have given to Paul and Silas. Give me the authority that you have given to Peter. Or you have given them a mantle of fire. Or they have the ability to preach boldly the gospel of Jesus Christ. As I am available to you right now, I pray, Father, that you will use me as an instrument of honor. And I will go around the world to witness your name in front of the nations. And many shall receive your word. They will come to the knowledge of Jesus. We need you tonight. Please come and take control of everything that we're about to do tonight. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Et nous voulons vous saluer ce soir avec cette sélection. Ou levez-moi, Seigneur, levez-moi, soir. Le Seigneur veut lever dans quelle que soit la situation pour hier. Il veut porter la paix dans la vie et transformer dans le nom de Jésus. Ou levez-moi. Merci, Lord. Alléluia.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Que le Seigneur levé à soi. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Seigneur, oui, je papa. Impossible. Lève-moi. Alléluia. Cache-moi dans où. Ou lève-nous. Retire-nous. Merci, Seigneur. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Mais nous connaissons avec toi. Hallelujah. Hallelujah. On y est pas. Impossible. Où c'est bon Dieu. Où c'est bon Dieu. Où c'est bon Dieu. Où c'est bon Dieu. Où c'est bon Dieu? Ma. Où c'est bon Dieu? C'est vous-même qui régnez. Où c'est bon Dieu? C'est vous-même qui voit moi. C'est bon Dieu, moi, je suis. Où que toi la vie? Oh, alléluia. C'est bon Dieu, nous Seigneur. Toujours là où c'est bon Dieu. C'est bon Dieu. Moi, Dieu, merci parce que c'est bon Dieu. Yes, Lord. C'est bon Dieu, nous. Où c'est Alpha, où c'est Omega. Où c'est Docteur, où c'est Wadewa. Où c'est bon Dieu. Où c'est Jéhovah Nissou, où c'est Jéhovah Jiré. Où c'est bon Dieu. Où c'est Yahweh Cabré. Où c'est bon Dieu. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Pour la croix. Oui, Seigneur. Mouvelé tout. Thank you, Jesus. And I will not be silent. I will always, yes, Lord, worship you. Glory, hallelujah. Toujours loué au Seigneur, de quelque chose à circonstance. Gloire, alléluia. Aussi longtemps que je respire, on va louer d'or. Alléluia, alléluia. Thank you, Jesus. Glory to God, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Et voilà, chers amis, je vous dis bonsoir depuis le studio à Philadelphie. Je vous souhaite la paix du Seigneur. Oh, gloire, alléluia. Thank you, Jesus.
Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons eu une journée très émotionnelle, là où nous avons eu le privilège d'assister et au premier service, maintenant funéraire, et de George Floyd. Et j'ai suivi maintenant, ils m'ont attribué toute attention, moi, avec maintenant ça qui t'a fait. Et m'a baissé maintenant, bah, un sens et comprendre. What was going on really? Et durant maintenant le déroulement de ce grand service très émotionnel et touchant, et maintenant moi été senti dans l'esprit que les yeux du monde maintenant t'es sous caméra, t'es sous écran télévision et t'es branché, tu étais ouais maintenant un service qui était si mouvant. Et côté que maintenant, puis le monde est un cercueil. Mais ce n'est pas tout cercueil seulement qui était là, ça a une grande signification. Bien sûr, maintenant, nous voulons encore engager nous dans une grande conversation à Souya. Nous voulons parler maintenant de l'importance de la mort de George Floyd. Et moi, je voulais maintenant, I would like to seize this opportunity to wish condolences to all the family members of this man. He was not a perfect man, but we understood that he didn't have to die the way that he died. And I get to understand as well that the importance of the death of this man. Not only the importance, but furthermore the consequences of things that have been unfolded because of his death. And if we have time tonight, we're going to go through many phases of this conversation. And we're going to talk about non seulement parler maintenant de qui ça qui arrivait vraiment et qui meaning maintenant, qui signification. Toute manifestation ça a fait, toute protestation ça a fait. Est-ce que bagay ça fait vraiment pour honorer maintenant George Floyd? Ou est-ce que maintenant George Floyd c'est un instrument plutôt? I believe que George Floyd c'est un instrument dans un nouvel temps, in a new season, where God let this happen, il quitte situation s'arriver qui c'est la volonté permissive de Dieu. God allows certain things to happen in a specific time. And I believe that the death of this man is going to bring a lot of changes in the United States of America, not only in the United States, but in the whole wide world. Because his death has touched many nations. Et ce soir, si le Seigneur me permet, maintenant nous aurons maintenant à converser. Nous allons converser concernant maintenant la mort ça qui touche en pile nation et côté que maintenant il y a un pile changement comme conséquence qui va le fait et parce que il y a un temps pour chaque bagaille. Ouais, ça crivé là, c'est le pal. Si c'était dans les années maintenant 60, 50, j'ai manifestation ça a été fait, tu vas la faire comme ça. Nous t'as oppressé maintenant parce que la police te gen trop droit et autorité pour te oppresser surtout les noirs. Il t'a oppressé parce que pour droit. Il pas vrai refuser que maintenant Dieu crée l'homme égal égaux et comme ça nous dit la créole. God has created men equal. It doesn't matter which race that you from, the color of your skin, the level of your education, you are the creation of God. There is a creator who created you. And today we have the privilege to witness how touching this ceremony was. When this minister, Reverend Al Sharpton, he stood up and he tells the system, the system, now we tire pied au secours moi. We're going to talk about this a little bit tonight. We tire pied au secours moi. Ça veut dire. What is the meaning of this? Take your foot off my neck. These are all the roadblocks that we had to suffer
as a black person in this country because we've been limited for so long. But this is the time. Let's read one verse. Et nous lit maintenant, il y a un verset 23, maintenant c'est même verset ça que Reverend Chapton t'a utilisé dans Ecclésias. Maman, Ecclésias maintenant t'a dit un bagage qui était très important. Nous sommes capables maintenant de partager un verset de ça que il t'a dit qui était very wise. Alléluia. Let's go into the book of Ecclesiastes chapter 1. Chloé. I don't get the music là où later Joe because we're gonna do some reflection. Let's be capable de bénédiction pour nous-mêmes. We're not gonna go too far. Too fast. Jusqu'à ce que l'émission finisse, I'm not going to. Je vais aller trop vite. Je vais maintenant recevoir et comprendre la conversation. Ça a souhait. Chloé. Merci parce que chaque jour dans la vie, on va permettre de vivre dans l'homme de Dieu. Ecclésiaste au chapitre 3. Maintenant, cet homme-là qui possédait maintenant la sagesse de Dieu en lui, il était déclaré dans Ecclésiaste 3, il dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. Un temps pour chaque chose sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Ah. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Maman. Neuf jours de cela, côté que maintenant, un jeune homme est rentré dans le store avec un $20 qui n'est pas vrai. Et il a tiré les polices pour lui, pensait qu'il a commis une fraude. Jusqu'à cette heure, maintenant, pas de loi pour juger, maintenant, nous pas essayer de faire défense. Et George Floyd. Mais pas grand-chose maintenant qui vérifiait que ça veut dire c'est ça. So yo arrêté lui, maintenant la police venait et puis yo mettait un handcuff sous lui, trois polices sous lui à terre. Et puis yo mettait pied genou lui sous cou lui. Et si tellement maintenant à l'aise avec ça l'affaire. Il mettait même dans la poche, il prend position de fierté. Donc, guess what? George Floyd mourit. Mais la mort nomme ça maintenant, qui ça a été représenté, qui ça a représenté. La mort, lui maintenant, lui fait dans un temps qui est spécial. Parce que maintenant, il était l'heure. Pour issu de discrimination aux États-Unis, tu es capable maintenant paraître maintenant sur la scène et pouté aux yeux de tous. Parce que c'est un malin qui maintenant en battable pour longtemps. C'est un sujet maintenant qui était tabou.
Si on bagaille qui n'a pas voulu parler de lui-même, parce que tout mon pile monde, surtout les Noirs, t'a accepté, oppression, pendant plus de 400 ans, côté que mettons les Noirs oppressés. Dans les années maintenant, 73, 74, côté que blanc yo, maintenant, rectifie-nous yo, yo la guerre dans la rue. Et pareil, pas qu'à dire rien. T'es que maintenant, le temps de le système, ce système que nous les Ku Klux Klan. Si c'est des monde maintenant qui croient que le suprême à cause de couleur, yo, de qui voulait maintenant faire la pratique de la domination sur les Noirs, donc maintenant, s'il t'a possible, maintenant, t'as éliminé tout noir, yo, et tous les gens de couleur. Donc, il y a plusieurs maintenant tentative qui fait dans les années passées, côté que Martin Luther a mouru et plusieurs autres leaders mourent maintenant pour cette pour que les Noirs maintenant puissent avoir cette égalité. Qui aime dire que, où est-ce que ça m'a fait là dans, sur Facebook Live? Si c'était dans les années maintenant 50 que le déye, sur l'autre bagage, il bien. Que moun gen blanc maintenant qui t'a cherché qu'on est etc qui est moyen et plusieurs autres leaders pour commettre des crimes. Ouais, ça qui fait maintenant la mort de George Floyd, lycée maintenant un bagage qui trigger un mouvement de libération, un mouvement maintenant parce que Amérique malade pendant des centaines d'années, donc il a fallu maintenant que malignant, il parlait parce qu'il y a une mauvaise odeur. Et durant maintenant ce service funéraire, aujourd'hui, maintenant Dieu se servait de la vie de cet homme maintenant qui prenait la parole. Au devant maintenant de tout écran télévision à travers le monde entier, il était dit avec mon blanc, retirez pied au soukounou. Parce que nous besoin respirer. I want anything that is trying to hold my breath. Take your foot off my neck tonight. I want to breathe. Là, nous dit, nous voulons respirer, cela veut dire que nous voulons petit, nous avons droit pour aller à Ivy League School too. Nous voulons petit, nous avons droit maintenant pour rentrer dans Harvard University. Nous voulons droit pour rentrer dans Princeton University. Pas parce que yo c'est noir pour obligé maintenant c'est dans county college pour y aller, yo pas obligé aller dans ITT, yo pas obligé maintenant aller dans centre maintenant de métier, non, il y a des noirs intelligents à ceux qui capables maintenant de devenir des génies, mais maintenant yo ils ont été opprimés de par ce système qui empêchait yo maintenant pour capable aller vers l'avant parce que pire système nan sous crou yo. Salut tout le monde l'après-midi, donc c'est votre serviteur, comme vous le savez, l'animateur de ce programme, l'heure de la délivrance, le docteur Point du jour. Nous bénissons le Seigneur parce que nous devons faire des commentaires maintenant sur ce qui se passait maintenant aujourd'hui. Ça a été vraiment une journée sensationnelle et maintenant, moi j'étais chita devant la télévision, moi j'étais glou devant. I wanted to see everything. Et maintenant, j'ai jeté des regards maintenant, non seulement avec mon yeux naturel, mais psychologiquement parlant. Nous avons fait l'analyse de ça qui a pris place. Donc, à ce maintenant, nous voyons que la discrimination hier soir, moi, j'ai dit que c'est pas un bagaille que mon fait avec elle, mais c'est instruire, éduquer pour venir devenir raciste. La mort de George Floyd, maintenant, l'hypothèse de l'unité à travers le monde. Everybody from all around the world. They come together, the Chinese, the Asian person, the Puerto Rican, the Dominican, the Haitian, the black, the white, whatever they are, they came together to say, enough is enough, I'm tired of oppression. I want you to know tonight that oppression is of the devil. The devil wants to dominate your life. The devil wants to keep you slave. The devil wants you to do his will.
But I thank God for Jesus Christ's glory. He came as a man who has spread the spirit of freedom. Hallelujah. Jésus-Christ était venu comme un libérateur. Amen. Dans un monde maintenant qui allait, qui était en péril. Il était venu comme l'agneau qui devait être immolé. Hallelujah. De par maintenant ces doctrines qu'il nous enseignait. Amen. Et de par maintenant des preuves tangibles que nous avons reçues à travers ce sacrifice qu'il avait offert à la croix lui-même. Il était l'agneau immolé. Hallelujah. Et maintenant nous avons reçu la liberté en son nom. Oh, glory, hallelujah. Pas bien que la Bible dit que dans Jean le chapitre 11, à partir du verset 51, hallelujah. T'es que youn maintenant, non? Amen. Alors, lady, let's read it. Let's read it. That's what we're going to do tonight. We're not going to go into one subject. We're going to talk about many things. Mais maintenant, je voulais focus sur l'importance de manifestation et la mort George Floyd. Qui ça a le poté? Qui ça a l'imine pour nous-mêmes? Dans Jean le chapitre 11, en ouais, sa sacrificateur, ça a été dit. John chapter 11, verse 52. 51. On le prend dans le verset 48. Si nous laissons faire tous croyons en lui. Maman. À nous prenons verset 47. Alors les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car si cet homme fait beaucoup de miracles, si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, le verset 49, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, et qu'il est dans votre intérêt que seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. On a fait maintenant ce qu'on appelle en parallèle les hommes. La mort de Jésus-Christ maintenant, sacrificateur maintenant, Caïphe lui dit que c'est mieux que un seul homme mourir au lieu de toute nation en périr. Mais comme on voit maintenant que George Floyd, le martyr d'homme de cet homme, maintenant pour aller accomplir, maintenant ça que Martin Luther a été commencé. Alléluia. Lorsque tu dis, I have a dream. I have a dream, côté que bon l'heure que blanc va chita avec noir, yo. Rêve la réaliser. Rêve ça maintenant, cette vision maintenant, tu continues avec Rosa Parks. Lorsque maintenant, dans Mississippi, on te dit que, well, blanc pas kachita avec noir là, nous chita dans des boss là, et vous apportez, te dit non, en vérité, place moi, m'gen doit chita, côté m'vle dans boss là, parce que moi, c'est un américain, moi, c'est un citizen américain. Maintenant, la mort George Floyd, qui ça le représentait? Maman, il représentait maintenant, commencement une révolution, pour l'égalité de tous aux États-Unis. I want you to know tonight that according to the system in the United States, we were not equal. Even if you are a US citizen, you are not equal because of the color of your skin. But I come to tell you tonight, hallelujah, because this guy has died. And I see, I witness so many thousands of people all around the world that come together not only to proclaim freedom, total freedom, but you're venu to be capable maintenant commémorer la mort homme ça. La mort maintenant, le martyr d'homme de cet homme n'est autre. Nous capable comparer le maintenant. Lorsque Caïphe sacrificateur a dit le mieux que maintenant un seul homme mourir. Et on peut suivre mes bien-aimés à travers année qui a venu, changement qui pral gagner. Changement qui pral gagner maintenant, avec protestation, yo n'est pas venu maintenant pour demander justice seulement pour maintenant, et même la famille Floyd. Mais venu maintenant pour demander pour que le système qui est broken, the government system of the United States is broken. Toute manifestation, ça a maintenant, mais ça a fait, moun ça a pina la oui chaque soir. Gagne maintenant qui a mauvaise intention.
Il y a d'autres maintenant qui cassent la caïmoune, qui font un série de bagailles. Mais là, want you to know, majorité, maintenant, ça qui a fait protestation, ça y est. L'idée générale, maintenant, c'est pour maintenant demander freedom en matière d'égalité. Côté que vraiment, on leur, petit noir ou latin haïtien, a capable de rentrer dans Ivy League School, my. Ou pas qu'on est que, d'après un système, non, it's a system, côté que, you fail, you façon, c'est tellement smart. Juste maintenant, pour faire qu'on ait pu aider, ou c'est pas, il pas aider, ou vraiment. Lorsque une femme maintenant aller les gain plusieurs petites, excusez-nous nous dit le conseil mais c'est vérité. Côté que maintenant gain plusieurs petites, well, au lieu d'avoir l'école maintenant pour l'apprendre, pour le bagage etc. On dit que you know, on a bon welfare. Yo bal 700 dollars welfare manger par mois. Il dit que well, on a bon car welfare. You don't have to pay that much, you pay a little bit. So I tell you what, moun sa maintenant, li chita avec Timoun Sayo, en vérité, il doit faire l'autre encore. Parce que il a besoin plus. Plus Timoun nous gagne, c'est plus que Baou. But I tell you what, it is a way to imprison you. Son façon maintenant pour emprisonner you. Son façon to hinder you. Because with all the children that you have, you cannot do anything for yourself, really. You are depending on the food stamp, and that's what the government gave you. When they say, we're going to give you this, that's okay. You have that much children. For some people, they don't realize que son menot ki yo mette nan men. But you can do better with yourself going to work. You can do maintenant pou kapab pran un job, pou kapab maintenant li ede self-esteem. You do things when you work with your own hand and you earn your own living, you've become more proud of yourself. Parce que nou di ke maintenant fou stemp la ba bon, men nan montre ou maintenant sa deyèl. Nan montre ou maintenant ki yo bati projet ki yo mette ou. Là, maintenant, pour projet, maintenant, des soirs, ou pas faire effort encore, parce qu'on connaît qu'on a un petit crascob. Maintenant, il y a pile là-dedans, maintenant, dans le projet, on a gagné un nombre de marijuana, cocaïne, nous c'est de mouvement, de duplicité qu'a fait, guess what, I tell you what. Yon façon, maintenant, pour yon render. Mais on a des noirs, des femmes noires qui levaient chaque jour qu'elle travaille, qui cherchaient travail pour yon faire, yon cherchaient des choses pour yon faire. And that's not that I'm saying. I don't take anything personal. Madame Joss m'a montré comment que blanc li utilise maintenant tactique maintenant pour li kembou dans hindrance. Ou elle petite noire ou la petite garçon on n'a pas obligé dans community college. Li capable maintenant aller dans grande université dans Princeton University. But you been hindered parce que pied blanc, genou blanc li soukou. Mais la mort de George Floyd maintenant préférer qu'un seul homme mourit au lieu que toute nation périt. La mort de George Floyd maintenant, lui représentait maintenant un atout de libération. Connaît que maintenant, Dieu vient obliger l'ouvrir maintenant sous dossier police brutality. Jusqu'à cette heure maintenant aux États-Unis, pourquoi yon corps maintenant qui condamne aux gens une grande police. Vous dites que ouais, la police a une prison parce que maintenant il était fait tel bagage. Non. Devant Dieu, société a maintenant police sont toujours là. Ouais. Mais ce n'est pas vrai. Nous voyons grand congratulations avec le gouverneur Tim Walz dans Minnesota qui ouvre le dossier ça pour investiguer pendant les 10 dernières années tout maintenant dossier policier dans le police système dans Minnesota. Et ceci maintenant, c'est à partir maintenant de la mort de George Floyd, côté que nous joignons, que maintenant même policiers, capitaines, lieutenants, ils ont commencé maintenant à parler, à faire des commentaires, parce que les choses ont été faites vraiment, mais ont été cachées, maman. N'a pas été posé, n'a pas retourné. Et vous suivez l'heure de la délivrance, et sur votre radio, station de tous les jours, Radio Coalition FM. Et ce soir, c'est votre serviteur qui vous adresse. Et il y a une fois qu'on est que, you know what, on était touché maintenant par cérémonie maintenant. Funéraire ça qui t'ai fait Dieu dire. But I tell you what I learned. Après me fin garder maintenant dans cérémonie, I was happy. Moi libération, I can see liberation. Nous ka ouais maintenant un petit haïtien
qui prennent maintenant dans Harvard University. Nous avons un pile haïtien qui prennent maintenant dans Harvard, qui prennent maintenant dans Princeton University. Nous avons un pile haïtien maintenant pas prennent, amen, aller dans le centre maintenant, au centre de professionnels seulement, because they are so intelligent. Mais maintenant, nous avons des voies, des portes qui ouvrent pour eux. There'll be funds available so they can continue their education. Because for so many years we have been oppressed, because the enemy tried to put his foot on our neck. Mais nous déclarer, this is the time. C'est l'heure, c'est un temps de libération qu'il y a. Il était branché, m'a tenu une minute. Il faudra que nous jouions musique pour même. Et nous vous disons bonsoir si vous avez branché. Bienvenue à l'émission par la gloire de la délivrance. La chaîne a conversé seulement. Mais qui sait que les conséquences peuvent donner la mort de cet homme. Thank you, Jesus. In my et voilà, vous suivez l'heure de la délivrance sur votre radio station de tous les jours. Et ce soir, chers amis, nous sommes engagés dans cette conversation. Et nous voulons maintenant faire des commentaires sur l'importance de la mort de George Floyd. George Floyd, maintenant, comme pour, et Caïphe, le souverain sacrificateur, l'entend Jésus a dit que, maintenant, au lieu que toute nation en péril, il est mieux qu'un seul monde.
Donc, nous voyons que la mort de George Floyd, le type, lui maintenant, lui éclaté, maintenant, il y a un mouvement révolutionnaire concernant droit d'égalité aux États-Unis et à travers le monde. Nous voyons que maintenant, d'après statistiques, les premiers de CLS, peut-être que des gens qui va comprendre ça. À travers statistiques, maintenant, dans les années 2015, in the year 2015, the police killed at least 104 unarmed black persons. L'année 2015, maintenant, police tuait 104 black moun ki noir sans que maintenant pas gen zam nan men. Let me tell you this. C'est pas seulement noir qui mouri. Il y a plusieurs autres nations qui n'ont pas mentionné. Mais maintenant, il y a une raison qui fait noir paraître, c'est parce que maintenant, c'est maintenant une minorité ça les plus oppressée que les autres. Pour quelle raison que noir est plus oppressé, c'est pas à cause maintenant de cette notion de couleur. Ou il y a une autre nation maintenant, par exemple en Haïti. Nous encore connaît que Haïti maintenant est un pays qui discrimine en pile contre moun. Nous venons que depuis avant la repartition maintenant, avant même maintenant l'établissement de la liberté en Haïti, maintenant il y avait cette séparation, cette division qui existait. Donc il y avait maintenant les affranchis et les esclaves, il y avait maintenant les blancs et les mulattes maintenant qui est-ce qui était, ils étaient fils maintenant des blancs qui étaient fait petite avec maintenant femme noire. Maintenant ils étaient fait esclaves et maintenant ils fait petite timonio, ils vini mulatte, ils le mulattos. Well guess what? Donc maintenant ces mulattes là, ils ont pas accepté que c'est nègre, mais ils se croyaient maintenant supérieurs aux noirs alors qu'ils étaient fils des noirs ou filles des noirs. Et jusqu'à maintenant en Haïti, côté que dans pays côté au sorti là, gagner dealership côté que c'est pas tout le monde qui peut entrer là. Et parce que raison si ou pas, vous pas connaît, on connaît nom, on connaît classe ou et couleur, mais la couleur de votre peau, maintenant vous ne serez pas admis maintenant dans le lieu ça. Donc en Haïti maintenant nous gagnons bagaille qui est le reste avec. Oh my. Le reste avec côté que jusqu'à cette heure, des mouns qui est petit moun qui est avec au café au passé misère. Faut nous dire ça tout, it's all over. On a étiqueté monde maintenant qui est bon la caillou parce que bon la laver assiette là, pas bien laver, frapper la tête bon non. Maintenant c'est un crime que lié. Ouais aux États-Unis maintenant, y a monde pas qu'à faire un bon ça, ou pas qu'à faire un mille, y a monde qui travaille la caillou ça. Mais nous pratiquons en Haïti. Donc maintenant la discrimination. Où cet esprit de domination est tout maintenant qu'un poison que le diable maintenant a semé dans la vie de certains. Et ici maintenant, nous passons de père en fils. Moun qui a une discrimination, lui semé semence dans la petite lit. Petite lit vient empoisonné. Il levait le semé dans la petite lit, petite lit, il gâtait. Donc là, on a un monde noir maintenant de couleur noire, il a gardé comme son inférieur. Alors maintenant, c'est le plan du diable. Il a voulu maintenant que cet esprit de division maintenant il demeurait dans mitan non. Mais béni soit l'Éternel Dieu toujours nous assiette à nous temps donné, il toujours fait maintenant une intervention pour capable maintenant liberté capable créer. Donc nous voyons que maintenant lorsque Jésus-Christ était venu sur la terre, il est important maintenant mes bien-aimés que nous sachions que Israël maintenant était sous la domination maintenant romaine. Cela veut dire que cette nation était occupée par les Romains. Donc maintenant, bien que les Romains donnaient, accordaient maintenant le privilège maintenant au système religieux pour y avoir maintenant une certaine liberté, autorité païo, c'est ça qui fait un code païo que nous avons maintenant le Sanhédrin. Le Sanhédrin maintenant, c'était le tribunal juif où maintenant le conseil des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs étaient opérés. Ils étaient maintenant l'autorité établie en ce temps-là. Mais lorsque Jésus-Christ maintenant, dès son apparition maintenant, lorsqu'il était déclaré la béatitude, maintenant, dans Matthieu, le chapitre 5, et même, maintenant, à travers ce message, maintenant, qu'il était présenté, c'est un message de révolution qu'il était. Un message, maintenant, d'égalité.
Parce que les Juifs maintenant étaient considérés comme des subalternes, maintenant des Romains. Oh Lord Jesus. Ça ne dit pas là aux subalternes. Maintenant, il y a un Romain, mais ça a été. Il rencontre avec un Juif. Et puis maintenant, il fait Juif l'en descendre, maintenant sous cheval li, pour laver cheval li pour lui, pour te salgué, faire affaire, et puis qu'on a la voie la lettre. Maintenant, à travers, durant le temps de cette période maintenant d'occupation, maintenant les Juifs maintenant te gagnent en tête toujours maintenant qui ont besoin d'un leader pour faire une révolution. Maman. Donc maintenant, l'entrée de Jésus maintenant leur donnait espoir. Ils pensaient. Après, le monde attiré vers Jésus parce qu'il dit, ouais, mes réponses nous ont venu. Cet homme-là, de par ses miracles qu'il fait, de par maintenant ses prodiges qu'il accomplit devant ses genoux. Donc maintenant, nous gagnons un leader qui peut le camper pour faire une révolution. Alors Jésus dit non, aimez vos ennemis. Nous voyons que c'est une des bagages qui était désappointé Judas en pile. Parce que Judas maintenant pensait que Jésus pourrait faire une révolution. Il était plus dans le chef. Lorsque nous étudions maintenant en profondeur dans un niveau de théologie, nous voyons que Jésus-Christ maintenant a fait une grande révolution, mais une révolution spirituelle. Quand il était venu maintenant comme libérateur pour libérer ceux-là qui étaient en péril sous la domination du diable, il proclamait leur liberté, alléluia, en s'offrant lui-même à la croix comme l'agneau immolé, oh glory. Nous pouvons déclarer ce soir, mes amis, que sa mission a été accomplie. Il avait eu du succès dans ce qu'il entreprenait. Alléluia, oh glory. Thank you, Jesus. Nous voyons que la mort de George Floyd, qui importance, son bel enterrement, mais maintenant, les paroles qui ont été prononcées sont des pierres solides qui établissent une nouvelle, maintenant, révolution. Une révolution, maintenant, parce qu'il arrive un temps vraiment, côté que les États-Unis, maintenant, va connaître l'égalité. Donc, le mouvement de ce processus commence maintenant. La fondation est établie. Il y a des pierres, maintenant, qui sont plantées aujourd'hui à travers ce message que cet homme, maintenant, t'est délivré dans l'église, ça, dans la ville Minneapolis, en Minnesota. Vous le comprenez. Bon, le maintenant côté que noir la pega la blanc, oui. It's gonna happen. C'est pas consulter ou pas de gain droit pour monter boss, chita devant boss. Blanc te fait difficile pour côté que ou pas de gain droit. Côté maintenant entrer dans batoum, dans même batoum côté la l'air. Vous te séparer batoum yo, batoum nègre et batoum maintenant blanc. Ou pas de gain droit maintenant pour aller au McDonald's le côté pour chita. En dedans, côté blanc, oui, ya. Mais béni soit l'éternel maintenant, au cours des temps, parce que chaque temps, chaque bagaille est un paillot. Je dis à maintenant, connaît que nous gagnons blanc à servir, non. Nous chita même côté avec blanc, c'est privilège que lié. Alléluia. Mais il y a des gens qui étaient mourus pour payer prix. Martin Luther était mouru, et plusieurs autres maintenant mourus pour te payer, surtout de die so they can pave the way for you. So we cannot take this for granted. We need to understand. We need to teach our children to let them know that there will be a time that they will be equal to the white man. Pour la petite ou à lorsque la dit maman, papa, na qui côté m'a l'école, si la m'a aller dans telle université, ou elle a tel ou à l'ou pas chance pour voir petite ou à Ivy League School, ou pas chance pour voir elle maintenant à Princeton University. Lorsque maintenant paraît yon côté avec yon diplôme qui sorti dans Princeton University, avec lorsque yon diplôme qui sorti dans Community College, c'est deux bagages différents. I need you to understand that. Au petit mal dans collège, mais écoutez, Community College, well, ok. Community College, yon fait la vie pour moun qui pas capable, pour moun qui pas gen moyen. Mais ça gen moyen maintenant, c'est dans Harvard University. C'est dans Princeton University que l'aller. Là, dans l'université qui est plus grand, yo, parce que nous, maintenant, nous calons sous diplôme que tout le monde a gagné. I hope that you are listening to me tonight. Qui importance la mort de George Floyd? Importance la mort, c'est que lui mourit. Même Jean-Jésus est mort maintenant. Son exemple que moi, je dis c'est Jésus, non? Et écoute-moi sur ça. Je dis c'est Jésus. Je prends un exemple, je fais un parallélisme. C'est l'anglais, ça c'est comme ça que nous interprétons la théologie. I'm doing a parallelism. One man die instead of the whole nation to be perished.
Jesus died so we can have life and life abundantly. Adam est venu comme le premier maintenant qui introduisait le péché dans le monde. Et à cause maintenant de son action de rébellion, maintenant tout le monde est enfermé sous la désobéissance. Il en a de même maintenant dans tant côté nous y est connu là, dans un temps de discrimination, la mort de cet homme a de grandes importances. Non seulement pour ceux-là qui vivent aux États-Unis, mais dans toute nation qui existait sur la terre à travers pourvu qu'il a professé maintenant la discrimination. Ça qui tape, ça pas de café la li fête. Dans Isaïe le chapitre 1er, le verset 6, maintenant, l'homme de Dieu déclare de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Nous te joignons que lundi dernier, côté que y a un événement qui était passé devant l'église maintenant, that old church, devant Lafayette Park, côté que le président était paré avec un Bible dans la main, nous te prié sur ça. Il m'a pile monde condamné, I don't know what's in his heart. I cannot say anything contrary. But one thing I'm going to tell you. Loi aux États-Unis, d'après loi constitutionnelle aux États-Unis, l'armée maintenant séparée de police. Police maintenant, the policeman is the enforcer of the law. But the soldier is appointed to fight, to conserve peace, and protect the people of the United States of America. Selon la constitution maintenant des États-Unis, there's in any way que maintenant la police doit rentrer dans la ville, aucune ville aux États-Unis pour venir la sécurité. Parce qu'il n'y a pas de juridiction là. Et soldier in United States, d'après offre qu'il prend, d'après serment qu'il fait, il est là pour défendre maintenant la nation contre maintenant les étrangers. But not against the people of the land. So, nous voulons que nous sommes capables de dire ça que le président nous maintenant recevoir un pile criticism. Well, it happens because pas quoi que le pas il n'est pas au courant, mais parce que maintenant il prend décision pour lui aller ailleurs. Cela veut dire que maintenant il est à l'encontre maintenant de loi constitutionnelle. Maintenant, il y a une chose qui est importante lorsque vous êtes un leader. Un leader maintenant, il doit avoir l'habilité maintenant pour être capable à discerner et dans toute décision que la prend pour être capable de pros and cons. C'est-à-dire que qui est capable de faire un effet, qui est l'effet qu'il est capable de faire. D'ailleurs, il est important qu'il y ait besoin qu'on ait que autour du président maintenant, il y a des hommes qui maintenant, ces seigneurs qui ont dans le job. Cela veut dire maintenant des hommes qui passent des années ont desservi plusieurs présidents. Ils sont des professionnels en matière de la politique. Donc maintenant, un nouveau président qui vient. Maintenant, si vous ne connaissez pas, if you don't know, you need to listen to them. And that is the thing. I love the man. The man is in power. He's my president. I respect him. But I would say that, selon ça, la Bible dit qu'au milieu, maintenant, au milieu de grands, gain salut. C'est ça, Salomon dit. Gain salut, il y a un grand nombre de conseillers. I'm sure que maintenant, the senior advisors of his the presidency, somebody told him that, well, I don't think that's the right thing to do. If you do this, you're going to get criticized. Ou pas capable maintenant et voyer chercher l'armée pour venir voyer maintenant boulette sous sa capote ses droits yo parce que c'est droit maintenant constitutionnel que chaque américain gagne pour être capable protester si un bagage maintenant n'a pas fait le bien. Vous dites que well, bishop ça aligné les quitter Bible. No, I'm not leaving the Bible. No, I'm in the Bible. I am in the Bible. Je suis instructeur, maintenant, c'est un éducateur, donc c'est droit pas. I have to talk about it. Au besoin qu'on ait, nous devons qu'on ait. Lorsque Jésus mourit, when Jesus died, il y a une grande confusion qui existait dans les rues de Jérusalem. Tout le monde a posé question, mais they didn't know, they didn't understand that Jesus died
Sodose, tout ça yo maintenant qui était en péril pour être capable de recevoir maintenant la vie. Somebody had to pay the price. Nous faisons parallèle, les amis, parallèle pour nous dire que George Floyd mourit maintenant, afin que Martin Luther mourit et plusieurs autres mourit maintenant, to pave the way for something that is going to happen, que vous prajouil, c'est l'égalité des Noirs avec les Blancs aux États-Unis d'Amérique. Il faut me dire que maintenant, hypocrisie est maintenant paraît sur la scène. Nous t'attendons, nous t'assurons maintenant durant le reportage CNN. Nous avons plusieurs maintenant de grands CEO. Nous maintenant plusieurs des grands maintenant industriels qui ont confessé, qui ont dit que well, bon, nous prenons une résolution Kounia, non more discrimination. Pour qui raison vous parlez de Kounia? Parce que la mort de George Floyd touchait yo. Lorsque maintenant le message ça a transcendé le cœur yo. Parce que vous t'attendez parler de bagasse, mais vous t'avez pas compris. Now they understand. Now every single white man, every single white woman in the United States understand what discrimination is all about. Et quand il y a une décision qui prend. Je suis pris pour moi, capitaine, cap témoigné, cap dit, I was just following a program on CNN before I come on the air tonight. Je suis maintenant chef police dans Houston, Texas. Je suis maintenant déclaration maintenant meilleur qui sont hommes noirs. Yo maintenant, yo déclaré secret yo. Yo dit que ouais, vraiment, ma gars, ça le fait vraiment. Chaque jour maintenant, dans toute ville, yo des monde qui mourit comme ça. Et la gars, il est passé en battable. Vous pouvez connaître que George Floyd mourit depuis la machine police là. Et monsieur caché ça. Le Yuri, les paramédics viennent maintenant déclarer le mourir, mais il est entré à l'hôpital la veille, il n'a pas appelé. Le Yuri, ils font faux, maintenant report. Et puis, bye. Si pas de jeune fille, ça, maintenant de 17 ans, qui te prend téléphone. Pour l'été filmé, sacrivé. What do you think what would happen right now? There's no way to bagay sou ka fait. T'as une manifestation vraie. T'as gonsé, mais n'est pas de cette gré, de cette envergure. Et parce que y a un temps pour tout bagay. Et chaque bagay y a un temps pour yon. A choix maintenant la mort de George Floyd, pas seulement pour te. Espoir maintenant pour l'égalité des Noirs et des Blancs. Mais on connaît d'abord que la mort de Jésus-Christ. Même Adam était, amen, Adam, par lui-même maintenant le péché était entré dans le monde. Et par Jésus-Christ maintenant, la vie est entrée. Et après avoir constaté maintenant les choses qui se produisent autour de nous, et nous poser question à soi, si il y a un monde qui parle de Jésus, waouh! How your life would be tomorrow. Lorsque la coupe de la colère de Dieu va déverser sur la terre, qui côté qu'on va le cacher? Hallelujah. Let me take a break et puis m'a retourné avec un announcement. Et parce que nous voulons bénir au nom de Jésus. Et voilà, vous suivez l'heure de la délivrance sur votre radio station de tous les jours, Radio Pollution FM. Bienvenue sur Facebook Live ce soir, c'est votre ami qui vous salue, Docteur Paul de Georges Aurel. Et lorsque tes bénédictions, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, sauveur, tes enfants. Et nous saluons sur ta grâce, mon Dieu béni. Salut, sur Réclane, bienvenue. Salut également sur moi, regardez Louis, petite fille. Salut tous les amis qui me soutenons, mais nous saluons. Nous souhaitons la paix du Seigneur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Il va le flot, son démon. Par la vie sur la paix sur votre vie ce soir au nom de Jésus. Il renforcera. Oh oui, Baba. Et vous soir. Je n'ai pas rêvé, vous soir. Alléluia. Il est notre délivrance.
Jésus. Alléluia. Le secours, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Il parle aux flots, aux démons. Et vous joie, alléluia. Oh, éveillez Seigneur, et dans le silence, en Dieu. Bon, la vie est dans notre phase, Kounia, parce que nous n'avons parlé encore de la mort de. Les bénéfices maintenant de la mort de George Floyd. La mort de George Floyd maintenant, c'est comme une bouteille qui était pleine qu'on y a la renversée. Donc maintenant, nous voyons beaucoup de chapeau pour tout ça qui peut manifester. Pour vivre qu'on peut voir, qu'on peut casser quand même, qu'on peut casser les banques, qu'on peut planter une affaire, qu'on continue de manifester. Parce que c'est à travers un pays, ça, un pays de loi. C'est à travers manifestation maintenant. Protester, c'est l'expression maintenant de mécontentement. C'est ça lié. L'heure des manifestations, c'est dire ou à dire avec le gouvernement, on n'a pas d'accord, quelque bagaille maintenant pour protéger le changement. Donc, nous voyons que maintenant, nous allons critiquer le président, non? Mais nous voyons que c'est pour la première fois aux États-Unis qu'il y a un président qui est élu par le peuple, qui maintenant veut suivre, pardonne maintenant au dictateur. Et parce que maintenant, d'après tout geste que ces présidents nous supportaient maintenant, je ne peux pas comprendre ça. Ils supportaient Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, maintenant, c'est ennemi maintenant États-Unis que lié. La Russie t'a remis maintenant pour dominer États-Unis. Deux pays, ça y est, la Chine et maintenant la Russie. How come maintenant, leader noir, the leader of the free world, he wants to follow the pardon. Pour quelle raison il veut suivre pardon maintenant au dictateur? Amérique est une république maintenant, un pays de loi qui bâtit maintenant sur des constitutions, des lois maintenant qui établit afin que maintenant le peuple, capable maintenant jouir d'une liberté et pour que les États-Unis capables, un pays qui a la tête. Mais nous voyons que maintenant il y a certaines faiblesses, de notre leader. Donc on a prié pour lui. Pour essayer d'être capable, mais qu'il y ait understand que là aussi maintenant c'est ennemi États-Unis que lié. La Chine, maintenant, c'est ennemi, maintenant, États-Unis. États-Unis qui a mis une bonne relation avec eux. Well, maintenant, parce qu'il y a ce qu'on appelle la politique, son jeu, maintenant, on game que lié. Now, you need to understand que nous voulons parler, maintenant, à travers tout ça que fait concernant le monde religieux. Ah! Nous voulons connaître que discrimination, pas seulement, dans le monde. D'ailleurs, afin de vous bien que, sincèrement, moi, je vois un gros coup de chapeau pour moi, les Blancs, et toute l'autre nation yo gen qui pas chrétien gen maintenant pas jamais converti qui pas connait rien à faire l'église mais maintenant j'ai remarqué qu'il y avait maintenant une solidarité sincère et intègre maintenant moi à côté que petit jeune yo rencontre ensemble maintenant de plusieurs cultures différentes et maintenant à côté que de plusieurs couleurs différentes et yo ensemble me senti maintenant bon attachement qui t'est fait dans mi temps manifestation yo dans protestation yo. Alors maintenant, nous avons suivi certainement que beaucoup de nos leaders blancs, ils se tiennent à l'écart. Ah, côté gros bichot blanc, yo. Côté gros bichot blanc, yo. Where are they? Because moun ka fait manifestation, yo, et protestation, yo, sont bonnes. Nous ne pouvons pas la dire nous-mêmes. Parce que vous supportez maintenant tout ça que Donald J. Trump fait. That's okay. Si M. Chrétien maintenant me doit camper dans la vérité, parce que la vérité maintenant, c'est la vérité.
La vérité, maintenant, pas gain exception des personnes là-dedans. Dans nos cas, ouais, maintenant, l'hypocrisie et ce même système discriminatoire, il existait maintenant dans les églises blanches. Yes, it is there. I witness something. I know it is true. J'étais en Haïti maintenant, ça c'était moi, je vois, mais que ça, I know. Première fois que je voyage aux États-Unis pour la première fois. C'est deux blancs missionnaires qui viennent en Haïti dans l'église papa qui parti avec moi. Je suis sorti en Haïti maintenant. Nous, machine nous était dans Miami, Florida. Nous prenons avion de Miami, Florida. De Haïti maintenant, rentrer dans l'aéroport Miami, côté que monsieur Al prend machine dans le parking. Belle Cadillac, dernier modèle. Et maintenant, nous courons machine de Miami à Peoria, Illinois, pour la première fois que je rentre aux États-Unis. Lorsque je rentre aux États-Unis maintenant, pour la première fois, c'était une période côté que c'était Thanksgiving. I didn't know what Thanksgiving was, but the church was celebrating. There was service every night dans l'église là. And when I got there, Madame Pasteur en blanche, pendant que je suis à Haïti, je te recommande de taper embrasser. Ti noir yo, l'embrasser ti moun yo. I love you. Jesus loves you. I love you. I love you. I saw that. And même te penser que son amour réel. When I got, thank God que maintenant depuis en Haïti, je apprends pas l'anglais. So when I got to the church, mon pasteur a campé, dit, oh my God, I am so happy que me rentrer dans le pays pour me retirer Haïti sous moi. I said, oh my God. That was the first time that I traveled. Selon les blancs qui devant la boucle, I love you. There are few. There's a few of them. Ne pas venir pour nous semer discrimination, ni mesure nous semer la haine. No. But I want you to know. I want you to know what is going on. Nous te voyons maintenant, dans le monde maintenant, dans le monde qui est ouvert là. Et qu'on est maintenant jeune, il n'y a pas converti au même, il n'y a pas l'église, mais il y a quelqu'un qui l'église tout. Comment que maintenant vous te faire maintenant des gestes de solidarité envers maintenant noir, yo, they were all one together, they were all on the floor together. But we saw that the community of the church, the white church, what they did, they stay apart from what was going on. Mon blanc au capitre, loin ou pas là-dedans. Salut, petite fille, moi, quand je suis venu. Amen. Sister Joanna Blain, welcome, darling. Your dad loves you. Well, nous voulons tout maintenant hypocrisie gagner dans le monde religieux. Well, I wish that I could see dans funérailles aujourd'hui. I was looking to see T.D. Jakes. I was looking forward as a black man, as a black leader in the community. I wanted to see him. I want to know what he did. What did he say? Qui ça T.D. Jakes dit concernant maintenant la mort George Floyd? Qui ça Joel Osteen dit concernant maintenant la mort Joyce, qui ça maintenant Joyce Myers dit? Because this is the time that the religious community could come together. We have the power to bring healing to these nations. Bon Dieu, ben nous la parole de Dieu pour nous guérir, pour la guérison maintenant pour nous moun sa yo. But what we did, yo campé à part, nous pas mêler avec peuple sa yo. À cause de la mort, George Floyd maintenant begins the healing process. À cause de la mort, George Floyd begins maintenant une récupération de confiance dans le système maintenant de la police maintenant aux États-Unis. I want you to know that après George Floyd fut enterré, écoutez que mes investigations à mener, à continuer à mener, à travers maintenant toute police département, yo, quand on prend le temps de commencer à marrer police, dans le secret pour le parler investigation, Chanel télévision maintenant pour l'exposer bagaille, yo, parce que raison, mais ça arrive. Let me tell you what happened. Pour qui raison maintenant bagaille arrive, côté arrivé là? C'est parce que dans Esaïe 1er, le verset 6, il dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Dans le police département, le capitaine, le chef police là, serait serré secret là, parce que le pavlé département là paraît trop laide. Il pavlé maintenant police à la prison, parce que nous pavlé maintenant pour communauté a maintenant des droits sous police là, de la tête aux pieds. Chef police là maintenant, involve dans bagayo. Capitaine involve la donne. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures et contusions. Gemoun maintenant,
dans même département police là côté que police employé yo maintenant pour vendre pour yo. Il y a des femmes qui dans prostitution maintenant femme ça maintenant qui est-ce qui pimpe là? C'est détective là qui pimpe là. Le passé à machine noire maintenant. La nèg vin prend corps mais il y a des femmes que le métier là fait prostitution pour lui. Lord Jesus. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives. Et lorsque femme ça a décidé qu'il n'y a pas voulu faire prostitution encore, il a arrêté, il a mis en prison, femme n'a pas qu'à dire rien. Quelquefois, il a battu. Après la mort, après maintenant l'enterrement de cet homme, il y a de grandes investigations qui peuvent le mener. Et quand il y a des secrets qui peuvent le révéler. À Philadelphie. Amen. Maman. Là, on peut l'isséter maintenant, on pas peur encore. On peut le capable à l'avenir comme un monde. Non, avec disrespect, never. You should never disrespect a policeman. A policeman is a servant of God. Il est un serviteur de Dieu. Hallelujah. Oh, glory. On peut avoir aisance. Le petit dans la rue maintenant, petit garçon dans la rue qui n'a pas posé. When I saw this death, amen, l'aime la mon homme ça, que me brisé parce que mon seul petit garçon, that I love very much. Only my only son. I love him, I pray for him every day. 3 times a day. Le travail m'a prié pour lui. Je toujours couvre avec la prière. Je suis toujours à dire Seigneur, je ne vais pas marcher avec chaque jour. But I know that you are with him. Vous pouvez imaginer maintenant, dans un système de corruption comme ça, côté qui est mort, un cheveu mourit, puis l'autre encore mourit, sans qu'il n'y ait pas de âme dans le monde. Et le système a besoin de fixer, le système de brutalité a besoin de stopper. Et maintenant, il y a aller loin. Brutalité a maintenant, il n'y a pas exercé seulement sur les hommes, même sur les femmes. Un witness comme un police pour un jeune fils sans craindre ni frapper la terre. Comment maintenant pour mettre mes notes dans le poignet de lui? Il n'y avait pas maintenant d'abnégation. Mais à travers la mort comme ça, il y aura du changement. I want you to know the importance of the death of this man. Même Jean-Jésus est mort pour un pire capable de la vie. La mort comme ça va passer en 20 ans. Parce qu'il commence un mouvement révolutionnaire. Pour qu'il y ait maintenant égalité entre les noirs et les blancs. I want you to know when we talk about the United States of America, America is not only white people, but America is the melting pot. America maintenant est composé de Italiens, il est composé maintenant des Allemands, il est composé maintenant des Noirs, il est composé maintenant de ceux-là qui viennent de l'Asie, de l'Amérique, ceux-là de toutes les nations qui existent sur la face de la terre. C'est ça que nous dit America. America is the melting pot. We are supposed to live equally. Pour nous avoir même droit. Pas de maintenant un système judiciaire pour blancs et pour noirs. Il y a une loi de juger blanc et il y a une loi de juger noir. Là. Doit gagner maintenant une seule loi. Well, bagay se maintenant yo pral paraît sur la scène. Parce que maintenant maladie ça qui était là, qui était caché. Il pral exposé de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions qui n'ont été ni pensées. Gen ka maintenant qui pou pri le ki la, qui pou jamais paraît sur la scène. Il y aura beaucoup de choses qui seront dévoilées. Ashia m'a dit, avec la famille Floyd George, du courage. I want you to know tonight that your brother did not die in vain. I want you to know the death of your brother will cause that a revolution is on the way. Révolution, ça maintenant qui s'alvaillait, c'est maintenant l'accomplissement de la vision que Martin Luther a gagné. Il te dit qu'on leur côté que noir avec blanc, ils vont ensemble vraiment. Sortez où là, c'était un bail apparent, mais il n'est pas très réel. It is going to be real. It is going to be real.
As a preacher, I'm glad that in time like this, le Seigneur quitte ma vie pour me capable witness these things. I want you to know that in the spiritual realm, that there'll be a time where God's people will be together. There'll be a time where there will be a universal reunion together. Hallelujah. There'll be a time when we come together in the presence of our Heavenly Father. Jesus will be glory, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. He will unite his children together. Car la Bible dit dans Jérémie 3 et le verset, amen, le 14, il dit, revenez enfin rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille. Je vous amènerai en Sion. Hallelujah. I am glad that Jesus is building a church today, glory. A church that will have no discrimination. A church that will be built on the laws and the foundation of the word of God. Hallelujah. And Jesus will be, is, hallelujah, the chief cornerstone of the church. I am glad that he will not have any respect of anybody, because we will be together in his presence as his children. May the Lord bless you tonight. Pour même maintenant capé condamne monde qui gagne reste avec parce que me déclarer que tout monde qui gagne reste avec maintenant qu'a pratiquer l'esprit reste avec là au besoin oui liste ti monde adopter un ti monde plutôt en Haïti qui pas gagne famille au lieu faire reste avec ou sous un ti monde qui la caille ou cap de servir voyez l'école plutôt do something good for that child même manger ou bail petit ou bail reste avec la manger à tout. That would be the best thing that you could do. Mama. Pa kite ti moun ki eta vyo la sal, li pral mene piti tout l'école li même maintenant pou chita sans pa konnen rien. That's the most evil thing that you could do. Voye ti reste avec la l'école, même sou pa ka paye un gros l'école pou y vole l'école. Amen. Bon ke maintenant wa frape bom nan tèt li a Willis li. Nan tèt li pa bon ni te vle vraiment. Ces circonstances là avec faire devant la caillou maintenant nettoyer la caillou traiter avec respect understand que c'est you human being like you ou t'es capable dans place côté lié à tout mama moi après en Haïti maintenant lorsque j'étais en Haïti maintenant il y avait un show en Haïti c'est Languichat de Bodis Languichat maintenant c'était une comédie maintenant qui était peint maintenant les mœurs cachées des Haïtiens. Et je dis à moi que c'est Jessie Frère maintenant qui remplace elle, qui a fait connaître comment Haïtien opéré. Qui a fait connaître que l'Éternel a dit avec Israël, puis que j'aime traiter un étranger mal, parce que bon, l'autre est étranger. Assure maintenant, si vous avez la caillou, qui a fait des centres la caillou, pas traiter le mal, pas cracher sous lui, pas traiter le comme si son bon qu'il y est, traiter le comme frère avec soeur. Et c'est la seule façon. Qui va attirer bénédiction, mon Dieu, sur. As you pray, me to, I pray tonight that God will protect and preserve those that are in the street, those that are protesting right now. I pray that God will protect them. I commit evil to stay away from them in the name of Jesus. Hallelujah. And I pray that God blesses the United States of America. Hallelujah. This is your land, this is my land, that's my country, that is your country. And I pray that la liberté du droit capable distribuer à tout un chacun et nous va vivre maintenant dans la paix. May the Lord bless you tonight. May the Lord give you, hallelujah, courage to continue to live. You don't have to be afraid. God is about to fix what's going on right now. God is about to take away that plague in the name of Jesus. God is about to set you free. Hallelujah. For 400 years, you've been in slavery in your mind. But this is a time of freedom right now. Glory. I feel and I can see freedom coming. You will have more joy. You will have more peace. And you'll be able to accomplish everything that God wanted you to do in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Father, tonight for your grace and your mercy. I thank you, Father God, for the word of God that you have given unto us. I pray that you will give this country the spirit of unity so they can come together and live as one nation peacefully. Nous prions dans le nom de Jésus, va retirer toute discrimination. Va faire que le peuple va marcher avec police.
policiers va conscientiser toute brutalité qui t'a fait yo va changer. Alléluia. Ça qui fait mal doit être puni par la loi, mais ça qui va faire mal doit vivre avec aisance. Merci Seigneur pour l'émission ça, et merci vous serviteur docteur Point de Jour. Nous demandons au Seigneur va visiter famille Floyd, George Floyd, dans le nom de Jésus. Il va encourager au Seigneur. Il va capable, Seigneur, faire que mouvement ça pour l'égalité des droits de l'homme, humain, aux États-Unis. Il va capable prendre pied, il va avoir succès. Pour que maintenant nous va chiter ensemble avec frères blancs, nous. Blancs, c'est frères, nous. Blancs, c'est sœurs, nous. Quelle que soit la nation, c'est frères avec sœurs que nous. Nous avons notre défaite. Et de nous continuer à vivre. Et maintenant, pour nous capable d'exécuter volonté au Seigneur. Nous disons merci pour votre présence. Merci pour chaque auditeur qui est branché au nom de Jésus. Nous demandons que grâce vous va couvrir. Que faveur va couvrir dans le nom de Jésus. Va bénir Seigneur le ministère de l'Assemblée de Dieu. Écoutez que maintenant, nous allons continuer. Prêcher l'évangile avec radiesse. Alléluia. Jusqu'au jour de ton retour. Merci Seigneur pour l'émission. Et merci pour chaque bien-aimé qui est branché. Pendant que nous allons aller maintenant sortir dans l'air, que présence ou arrêter dans la vie, oh, et on va continuer à vivre avec aisance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, alléluia. Merci d'avance, Seigneur. Et nous voulons maintenant annoncer avec tous les membres de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Et dimanche, si Dieu veut, maintenant, côté que nous allons ouvrir pour l'église là. Et côté que dimanche, maintenant prochain, et ce sera notre premier service. Je demande avec maintenant tout bien-aimé qui vient de l'église. We want you to know that période maintenant pandémique là beaucoup fini. Si nous demandons maintenant sous gain masque, on met venir avec masque. Il n'a gain gants, n'a gain maintenant. Si vous pas gain masque, n'a boyon lorsque vous venez dans sanctuaire là. Et si maintenant vous pas gain gants, n'a baou, selon que vous voulez li. Et si vous voulez ou sous gain elle tout, li plus bon. Si vous avez hand sanitizer, marchez avec lui, selon la capacité, et maintenant servir avec lui. Donc, nous l'ouvrons l'église là maintenant par la foi. Et si maintenant, période pandémique, ça, vous sentez que maintenant, que l'important pour venir jouer le Seigneur, pour habiter dans Philadelphie, vous invitez. Come, worship. Hallelujah. Venez adorer le Seigneur avec nous. Dans un moment, ça a besoin de Jésus. La Bible déclare que lui dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. So I welcome everyone on Sunday morning. Our service will begin at 11 o'clock. 11 to 1:30. 1:30 in the afternoon. So notre service commence à 11h du matin jusqu'à 1h30. I welcome everyone. Et si vous avez même maintenant devenu membre de l'Assemblée de Dieu Jésus-Christ, je vous souhaite cordialement la paix du Seigneur. Et pas bien que nous disons que maintenant nous capables de supporter le ministère ça. La capacité que le Seigneur bat. Et si vous voulez bénir nous financièrement seulement, allez dans la page moins, on cash app et maintenant contribuer pour la gloire de Dieu. Look for Dr. Jean-Aurel Point du Jour, Radio 4287, et maintenant contribuer pour la gloire de Dieu. Et si vous aimeriez maintenant nous envoyer ou t'envoyer un chèque, ben nous, un money order, vous êtes capable de mêler à Dr. Jean-Aurel Point du Jour, PO Box 451-43. Dr. Jean-Aurel Point du Jour, PO Box 451-43. Philadelphie, Pennsylvanie, 191-24. Que le Seigneur bénisse vous, soyez, que le Seigneur garde vous. Et là, ça arrête l'émission de ce soir. Nous espérons que nous avons été pour vous maintenant une source d'inspiration. Et c'était votre serviteur qui vous a dit servi, Docteur Point du Jour, Jean-Aurel. Espérons vous retrouver pour une autre émission du même genre. Demain soir, amen, dans votre émission favorite, plutôt. L'heure du combat, soirée de combat. Until next time, I love you guys. Have a blessed night in the name of Jesus. Praise God. Amen. Blessed.